Oligarque, puis il tellement temps comprendre comprendre. Pour que ça ne retourne jour de Moïse. Mais on l'a dans. Jovenel était décidé pour que il était géré dossier constitution parce qu'il voit que il a contrôlé loi maman loi pays a. Constitution pays a. C'est négo organisé pour constitution faite dans façon par yo et il contrôle très bien. Je connais qui gens pour faire politique avec pour contrôler tout ça dans pays a. En dans des présidents. Constitution ça, c'est bibliolé, c'est pas blaolé. C'est rien après nous non coin. Nous quittons pays à nan miracle. Parce que vous comment bien pour le travail. Avec la constitution, ça, pour le travail, pour le faire que tout ça a besoin dans l'État pour le capturer. Ça veut dire mauvais contrat. Ça fait 123 millions sur facturation, 194 millions gaz. C'est un fonds d'exercice. 123 plus 194. Ça fait 123 plus 193, 317. 317 millions de dollars. Dans mon seul famille. Ça veut dire que c'est une petite Dessaline ou bien c'est une Dessaline, c'est une Christophe, Pétion, Capois. 317 millions de dollars pour 4 à 5 hectares dans le courant dans Port-au-Prince chaque jour. Tout reste payé dans le fait noir. Mais ça va faire personne. Hein? Mais peuple là, où est-ce que vous avez joué? Claire, pour comprendre une bataille là, je veux dire. Bataille là, c'est pour une bataille pour moi, les amis. Pour qui ça fait moins? Son bataille pour où? On fout un exercice combien de quoi je dis à dépenser. Taïwan nous prête 150 millions de dollars. General Electric n'a acheté pour 57 millions de dollars. Ça fait 207 millions. Dans Taïwan, c'est là qu'on a acheté pour tout électrique. Bon, trésor public là. Non, trésor public là, payé pour tout pour nous, pour environ 2 millions de dollars. Pour tout pays, il y a des trucs pour tout électrique. Et je remercie mon secteur privé qui était bail. Ou l'état opportunité ça. Parce que ça nous besoin. Hein? Nous n'avons pas de compte avec personne. Nous n'avons pas de compte avec les gens qui comprennent comme si le pays a été pour nous lier. Vous devez faire ça. Nous avons retiré l'embargo. Parce que pas pour vous. Ça veut dire que avant nous n'avons compte. Mais les gens qui ont aidé nous, au contraire. On prend exemple pour tout électrique. Pour tout électrique, nous coûter 5 millions de dollars. Nous jouons aux gens qui collaborent avec nous dans le secteur privé. Pour tout coûter 2 millions, peut-être 100 millions de dollars. Pour tout le pays. Nous avons 11 406 poteaux. Ça veut dire que tout le pays aujourd'hui a un poteau électrique. Nous connaissons ça, c'est le trésor public. Génératrice appelle Dauphine passé pour tout le pays à net, pour tout civil. Parce que c'est des civils qui ont besoin. 200 kW, 300 kW. Nous avons besoin de pigouas, nous ne pouvons pas même quoi dire au mégawatt. Pour tout le pays. Système solaire. Ça veut dire ça aussi. Trésor public. Système solaire là pour 25 millions de dollars. Total pour 25 mégawatts. Pour mettre dans toute civile ça. Elle font calcul non. 25 millions plus 4 millions. Ça fait 29 millions. Plus 207 millions. Hein? Ça fait 236 millions de dollars. Nous avons combien de copies qui étaient dans 317 là toujours. C'est pour me dire nous que son pays côté un groupe te décidé font pillage avec une dilapidation systématique. Ça c'était dans l'émission. Alors je vais dans la tête les gens pile monsieur. C'était ce matin mort. Jovenel utiliser un couloir pour que il fait passer message li avec autant de facilité. Li rassure que comme président li ou comme si li gen contrôle façon nèg yo passe message yo et c'est là nèg yo vinn wè que Jovenel pral bon sou yo finalement yo obligé tuer Jovenel. Attendez et nèg yo senti que Jovenel Moïse vinn wè façon yo même yo créé stratégie pour que vous fait peuple raïl là. Mais Jovenel Moïse vient utiliser même stratégie ça, lui-même, pour le faire message à passer clé par le peuple là. Et puis de là étant, Jovenel crase toute mobilisation qui n'est pas fait dans le président. C'est bon. Jomo, parle garçon. Regrette tout, man. Ça veut dire nous pas capable aujourd'hui, après même moi, nous ça. Bataille avec oligarque compulsif, c'est une grande bataille ça, qui vient pour le peuple ça, pour gagner. Si vous avez besoin,
l'école construite pour petit tout. Si vous besoin bon gens l'école professionnelle construite à travers tout le pays. Si vous besoin hôpital communautaire de référence construit dans arrondissement. Si vous besoin hôpital communautaire de base construit dans commune. Si vous besoin centre de santé construit. Vous voulez parler de centre de santé à l'île construit dans la section communale. Si vous besoin pont jeté sur rivière côté de l'eau qu'on prend moun, même gens ça fait dans Maïsad. Toute l'eau qui te qu'on prend moun, je veux parler de rivière Rio Fouyo, toute l'autre rivière entre chez Maïsad. Je dis à quelqu'un sur tout et me profiter encore remercier Banque Mondiale pour tout mais ça que ban nous parce que et c'est ça n'a pas cherché. Là nous-mêmes comme politique nous monter au pouvoir, bah c'est ça nous mandel, collabore avec nous dans promesse nous te faire. Parce que l'homme marche dans tout pays, c'est où qui ou est problème. Mais l'homme vient avec Kobla. L'homme chita balak, moi. La plus facile. Même Jean Route Jérémy, l'homme monte pour le président. Route Kaye Jérémy, t'es 43 km, route qui peut quoi, fait du tout là-dedans. Jodi a route a fini. N'a fait inauguration Route Jérémy, on profite, oui, mais c'est la bide. Qui n'a 43 km là, tu prends 38 km pour nous. 5 km là, nous te fait, moun. Quand on songe, dans le monde, nous asphalter avec la caravane. Nous profiter, j'aime dire la remercier la Bible, pour financement 38 km, ça, qui permettent que aujourd'hui, route Jérémy Kala va l'inaugurer. Mais après, combattre, la route a commencé à construire depuis 2008. Aujourd'hui, en 2021. Il va aller 14 ans de la construire. Il va finir de construire. Et c'est toute démarche ça yo pour comprendre côté sorti qui ça faut arriver là et réseau qui cause ou pas ka sorti avec facilité qui ça que nèg yo fin ouais ko gen contrôle comme peuple et ou peuple a prend décision on ça qui fait mal parce que en tant que monde on est qu'à faire politique ou à faire coquin ou à faire mesdames ou à faire mouvement bluff beaucoup toi privé ou réalité tout clairement ça me fait à monsieur l'hypothèse résultat pour moi mais trop monde en souffrance bon bay possibilité pour peuple là en souffre. Mais messieurs, depuis ces nègres qui ont fait politique en Haïti, messieurs, il faut dire que les gars sont bagay bacan net, on démon, comme si les gars ne pouvaient pas moun. Alors, messieurs, pour faire nos pays, ou grandir nos pays, c'est haïtien, messieurs. Ou est-ce que les haïtiens sont morts, les haïtiens sont pétés, les gars tuent moun. En de pays, comme si ça n'a pas fait ni chaud ni fret pour petit ou pour petit ou vivre dans le luxe, États-Unis, la France, Canada, comme si ça va déranger. Ça va déranger du tout, ou pas gêner du tout, pour pas payer une chance. Pour ne pas cacher de yon bagay, téléphone. Yon décide pour prendre pouvoir. Mais ça m'étale bien, monsieur. La façon que yon décide pour prendre pouvoir, c'est sous 100 yon président que yon fin tuer encore. Mais à la vérité, tout quelque part. Et, yon tuer président Jovenel Moïse, yon pense que yon tapale rose pour yon. Mais la va vini Jean ou te pense là. Yon vini yon chance. Et, 20 juillet 2021, yon chance yon prend pouvoir. Yo rassure que yo gen bon pouvoir nan mi a partir de décembre 2021 2022 nèg yo met pied à terre pour tout bon yo pense que c'est met pays mais là yo regarde yo fait 30 combien mois dossier assassinat Jovenel Moïse en pirade ça qui plus grave là pendant que yo même y a fait diversion avec dossier dans la coupe d'Haïti et puis la justice américaine a marqué pas est-ce que comprenne la justice américaine condamné Rudolph Jar hey! Li condamné John Joel Joseph li condamné au paquet colombien. Libre le condamné au paquet l'autre là encore. Il fait qu'on connaît moi de mai à la balle qui choy. Parce que depuis les 4 tes ouvriers qui frappent, mais maintenant beaucoup de bagaille. Mais il fait qu'on connaît que pral qui choy. Il y a des qui dans le pays d'Haïti qui doit monter aux États-Unis selon l'information. Est-ce que vous comprenez que son dossier qui pourquoi fini? Il y a fait ça, vous voulez. Il a finalement arrivé tout. Alors, ça a arrivé tout est tête. Mais il a finalement arrivé, il a mettre tout en bas de code qu'on est. En Haïti, il n'y a pas de justice. Pas de monde tout. Dans l'État qui a volonté pour que Jovenel Moïse t'a va à jeune justice. Ouais, c'est majorité peuple qui est en province là. Et moun qui est en diaspora qui vient ouais que nèg tu président mal, yo t'sou campé, ba ça yo. Mais naturellement m'a dit que nèg yo pas jamais à l'aise. Yo pas jamais à l'aise, mais faut que pays toujours été dans l'instabilité. Yo prend pouvoir et un groupe l'autre cap attaquer, cap faire des autres dans la rue. C'est ça qui a géré. Et c'est comme ça que yo fonctionné. Et c'est tout le temps. Il fonctionne avec stratégie ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne normalement en pays pour détruire pays. Ou même comme peuple, vous supposez organiser.
pour une bataille contre eux. Parce qu'on va quitter eux là. Ils n'ont pas propre. Ils n'ont pas senti bon. Ils n'ont pas moun. Ils n'ont pas de bien. Ils sont méchants. La répétite libre à l'école. À l'étranger. Bah, il y a une chance pour le petit pas l'école en Haïti. Même ça, il n'y a pas de problème du tout. Petit pal n'a pas de problème électricité, internet. Il y a accès avec technologie. Bah, il y a malheureuse là. Possibilité, lui-même la va mettre. Si mon minute lien, pour petit lien passé, en 30 ou 40 minutes sur internet, non. Ça, ou pas kabalil. Petit pal à l'étranger. Maman l'on kamenel l'an pak, kamenel l'on espace pour la jouer. Mais, bah y possibilité. Pour malere malerez la kasso ti Port-au-Prince, pour la province, pour la famille avec petite liya non. Mais non ça, ou interdit li. Ou ka l'an gros sal cinéma, avec madame ou, famille ou, nan l'gade, en movie, whatever. Mais bah y possibilité. Pour malere malerez la li même, li jouen ti courant non, nan Port-au-Prince. Pour l'ouverture, il y a même si chaîne n'a pas fini clé. Pour le garder au moins, on t'y fait ancien, non? Est-ce que vous comprenez? Ça, ou interdit le tout. Alors nous pensons que Pep Sato ou t'as pas éclaté? Éclatement social l'a fait quand même. Et ces politiciens, ici doivent mourir là-dedans. Révolution sang l'a fait quand même. C'est tout politicien ici doivent mourir là-dedans. Moi, je fais sauver. Si on n'a pas de bail, on n'a pas de prendre. Je dis sauver les oligarques, ou c'est volé, ou c'est criminel, yo tué le président, non. Mais pas oublier, ces politiciens haïtiens sont jeunes pour faire tout crime ça dans le pays. Ces politiciens haïtiens sont jeunes pour qui cause fait tout crime ça dans le pays. Si vous avez une ravette criminelle, assassin, gang sale politique, ravette ça, vous n'avez pas fait tout crime ça dans le pays, non. Mais c'est vous méchants, mais c'est vous pas de cœur moun, mais c'est détruit petit pays, détruit petit peuple, vous fait toute qualité, mzak malhonnête. Ça fait que yo pense que ce n'est pas normal pour camper pour regarder pour pas parler comme si de vous parler et comme si on va mourir tout le monde peur moi même t'as des bien qui ça pour me peur encore n'a que tout haïtien chaque jour OK n'a tout haïtien chaque jour c'est moi même j'avais mieux il y a mourir qui côté n'importe prince nous fait toute qualité ça malhonnête alors nous penser moi même on va camper pour me garder nous qui a fait tout temps nous a tout le monde fait crime fait toute qualité bagay puis comme si moi comme si doit non m'pa arrêter yo tout yon président parce que président t'a parlé vérité président a envie mettre électricité président a envie mettre organiser pour payer viva pour tout le monde faciliter diaspora c'est dans le pays d'Haïti yo tout le président mais qu'on a gardé y a bataille on coulève cette tête m'a regarder moi tweet guerrier Jussel mon tweet guerrier nèg Jacmel man guerrier gèlè honte de activité bagay criminel yo. Guerrier, comment c'est pas là avec monsieur? Parce que c'est malhonnête. Ou imagine, on finit sur ton bagage avec toute force. Ou, et puis je dis, bagage arrive côté pour l'installer. Ou même pour l'ajouter à vous, jeune. Pour bagage là comme si, l'imman a réagi, coquin qui pète dans le temps, n'a cap bataille pour plus gros morceaux gâteau. Et puis, ou même, mais ça qui fait mal là. Population pas dans rien, mais ça qui fait là. Tout plomb, tout complot qui a manigancé, parce que par là, population pas dans rien du tout. C'est n'est qui dans politique? Volé, dans le secteur privé, volé, dans les droits humains, gang, dans la presse traditionnelle, vice capitaine réseau, et vous même mettez tout ensemble pour vous soucier seulement, mais peuple n'a pas besoin. Vous still a fait bilan, bail bilan chaque matin. Il y a 5 millions, 5,6 millions, 5,4 millions de monde qui ont un grand goût extrême, tel bagay, faut que la communauté internationale vienne en aide, pendant que Haïti a une possibilité pour l'État aller en aide avec tout le monde qui a un grand goût. On a fait toute vie dans aide, on a mouru dans aide, aide à péter fiel non. Son révolution drastique qui doit faite. Mais son monde qui a un caractère, t'as Guy Philippe. Son monde qui a un caractère. Mais sauf ça que je connais, c'est normal pour que Guy Philippe ait des menaces. Parce que je regarde pour moi, à Burkina Faso, non, et avec le commandant Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, son qui a pile pile menace sur lui. Et chaque semaine, il a maîtrisé ou bien neutralisé des groupes qui ont fait des tentatives d'assassinat sur lui. Et chaque soir, il domine l'espace. Il est obligé de commando. Il y a un commando qui est solide en Afrique. Il est très, 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 très et sauvage. Il est entouré par des promotions. Okay? Promotion, il est dans la force armée. Et il y a un cousin, le frère, avec qui est entouré. Parce qu'il a envie de tuer, il est en Thomas Sankara. Vous comprenez?
mais pour nous d'agir on est concerné pays d'Haïti et Guy Philippe pour le dire mais pas tap toujours des menaces mais t'es caché une ça c'est après assassinat Jovenel nous t'es caché une guio nous t'es caché une guio malheureusement bab dit plus. On faut attendre jeune capitaine Ibrahim Traoré depuis Burkina Faso dans continent africain pour faut attendre jeune capitaine ça qui prend pays et Jean peuple supporter Jean la parle avec peuple avec facilité et peuple bat bravo pour lui Ibrahim Traoré jeune capitaine et président de la transition dans pays Burkina Faso. Camarades, je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front, et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, peuple, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Comprenez quelque chose. Le père de la révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci: l'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse, à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Exactement. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des deux décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose.
Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste « Allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. » Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les sources d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore quand nous étions à Beir, au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Beir, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires.
Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire. Ça n'a pas été sans conséquence, parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Allez, oui. Pour prendre décision ça, comme autorité dans le pays. Et faut qu'on ait caractère, faut qu'on pas peur. Et faut qu'on ait sous amonto. En plus, le monde pas d'accord. Mais des fêtes. Et puis peuple pour avoir. Pas grand peur, non? Communauté, l'autre groupe monde qui pas d'accord. Finalement, il y a pas d'accord parce que il y a pas qu'à venir tout la caillou. On comprend? Il y a pas qu'à venir tout la caillou. Et c'est ça qui est important. En outre, continuez d'attendre, jeune capitaine Ibrahim Traoré. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. À jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Deou, Tinakoff, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme
sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous, nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenons à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient, qui était donc pris pour évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Wayiens sont les premiers à confirmer cela. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État, putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc, de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes, où était cette force lorsque des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmes lettres qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilés.
ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur, parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer
que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Parce que nous pouvons. Un chef d'État qui a parlé. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais c'est sincèrement, nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons. Nous pouvons avoir cette indépendance, tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail et nous allons y arriver. Revenons donc à un aspect général dans l'Afrique. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'ignorant. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car dit-on, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous. Oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. La veille citoyenne que vous avez engagée, c'est un message à toute l'Afrique. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent,
Il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de cession. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure. Mais il faut rester la tête sur les épaules. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation. À travers la communication. Sachez reconnaître les valets locaux. Sachez reconnaître les esclaves de salon. Sachez reconnaître tout cela qu'on sous-doit pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a 1000 manèges dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Merci à vous, les VDP, donc, des différentes villes qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc, rendez hommage tous les jours aux FDS et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Justement, c'était jeune capitaine Ibrahim Traoré et jeune capitaine qui est président de la transition dans le pays Burkina Faso qui a gagné la parole là. Nous trouvons extrêmement important pour que frères africains nous yon. Frère nous yo, africain nous yo, justement qui décide de prendre ce pays en main pour retirer pays en bas à l'oreille impérialiste. Justement, son bataille qui dit, mais avec force, courage, détermination, et justement, faut pas peur du tout, non papa, et pour peur, on va tomber dans quatre batailles ça. Et capitaine Traoré, tu prends la parole. Même quand il pour me venir toujours, pour arriver non. Le général Tchani, le Faye, et pour me venir pour nous, moi gagne. Asimi Goïta, maintenant pour venir pour nous, moi gagne, bien que je ne fin trop comprendre colonel Mamadi Doumbouya et monsieur qui était ouvert Vannan, vous comprenez moi? Et je ne fin trop comprendre colonel Mamadi Doumbouya. Mais sauf que nous avons suivi jusqu'à maintenant. Entre temps, nous avons Kembe là, et nous avons connecté avec la plateforme YouTube Fubeto yo. Nous connaissons ça qui tombe, nous avons besoin de nous attendre. Que mon Dieu béni chaque gagne, non? Que mon Dieu béni, Haïti Chirinois.